Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo informative du Terrier d'Épinou. Ce type de vidéo permettra de faire un point sur les nouveautés récentes et à venir de la chaîne. Restez donc bien jusqu'au bout car des surprises vous attendent. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier encore une fois pour votre présence et pour votre bienveillance. La chaîne aujourd'hui a presque 10 mois et c'est évidemment grâce à vous que j'ai jour après jour l'envie de continuer. Vous êtes presque 135 followers et cela me semble toujours aussi irréaliste jour après jour. Bien sûr, je compte sur vous car le palier des 150 followers approche et il ne faut pas faiblir. Parlons d'abord des nouveautés et changements que vous avez déjà pu observer si vous êtes un tantinet attentif. Tout d'abord, il y a eu du changement dans les emotes. Au tout début de la chaîne, dès que l'affiliation Twitch s'est enclenchée, je vous avais permis d'accéder à deux packs d'emotes avec deux pinous tantôt adorables, tantôt comiques. Dans une volonté de tout lisser et permettre à la chaîne de se présenter comme un univers clair et précis, je me suis offert, ainsi qu'à vous bien sûr, plusieurs packs d'emotes avec un seul et même design de pinou. Ces packs se sont ajoutés à la liste déjà bien remplie de notre terrier sur Discord et ont remplacé les emotes de la chaîne. D'autres emotes se sont également ajoutés et servent surtout d'autocollants pour le Discord. J'ai continué ce lissage de la chaîne en achetant le pack qui aurait dû arriver que pour Noël, mais cela me taraudait de ne pas l'avoir avant. De nouvelles images d'annonces, nouveaux followers, subs, resubs, raids, etc. ont également été installés. Les pinous ont été designés par la même artiste qui a réalisé les vidéos d'intro, d'outro et de pause de la chaîne. Dans ce même sens de lissage, mais cette fois-ci pour Discord et mes réseaux sociaux, à partir de cette semaine, les designs des programmes et rappels seront changés. Ce choix a été fait en collaboration avec quelques pinous qui m'ont conforté dans mon envie de changement. Le Discord a également fait peau neuve avec de nouveaux salons, un destiné à l'accueil des nouveaux pinous, le salon privé Happy Birthday, où je pourrai notifier les anniversaires de chacun, n'oubliez donc pas de m'indiquer votre date de naissance en MP sur Discord, mais également et surtout un règlement en bonne et due forme. Deux nouveaux salons vont également faire leur apparition dans les jours, semaines, mois à venir, mais j'en parlerai plus en détail dans les nouveautés à venir. Certains d'entre vous ont également pu observer les nouvelles récompenses de points de chaîne. Il y en avait déjà de nombreuses, les classiques à boire, étirements, etc. Celles liées à Pando, le chat que vous avez nommé Chouquette et qui dit encore plus de choses différentes depuis quelques temps, mais également certaines que j'avais créées comme la proposition d'une nouvelle commande Nightbot ou la suggestion de nouvelles récompenses de points de chaîne. Se sont ajoutées une récompense de pause, mais surtout la mise en place d'un jeu vous permettant une interaction supplémentaire lors du live, la roue de l'infortune. Quatre types de jeux sont ainsi disponibles aujourd'hui pour vous. La roue classique, pour 8500 carottes, répondez à la question qui sera sélectionnée par la roue de l'infortune. À gagner au choix, la création d'une commande Nightbot ou une suggestion de récompense de points de chaîne. Le mode défi, pour 20 000 carottes, mettez au défi un autre pinou. Celui-ci répondra à une question choisie par la roue de l'infortune. S'il répond correctement, affrontez son courroux. Sinon, choisissez son destin. Récompense au choix, perte de badge VIP, ban temporaire, commande Nightbot personnalisée. La roue VIP, pour 30 000 carottes, affrontez la terrible roue de l'infortune et répondez à une question. Si vous répondez correctement, vous gagnez un badge VIP. Cette récompense n'est malheureusement disponible que s'il reste des badges à distribuer, et si tous les badges sont attribués, choisissez le pinou à détrôner avec le jeu défi. Et enfin la roue de luxe. Pour 30 000 carottes, répondez à la question qui sera sélectionnée par la roue de l'infortune. À gagner, un ticket à utiliser pour le concours de votre choix, afin d'augmenter vos chances de gagner. Ces fameux tickets sont également à gagner en utilisant 50 000 carottes. Vous imaginez bien que si ces tickets existent, c'est que j'ai l'intention de faire de nouveaux concours sur la chaîne comme c'était prévu à la base. Je les avais mis sur pause car en difficulté ces derniers mois et donc il était compliqué pour moi d'envoyer les lots des deux concours précédents et donc inutile de lancer de nouveaux concours. Cependant, j'ai des lots à vous faire gagner qui s'entassent chez moi et même si ce ne sera pas tous les mois, il y aura de nouveaux concours. Alors restez bien connectés que ce soit sur les lives ou même sur Discord puisque tout sera indiqué en temps et en heure à ce moment-là. Pour ce qui est des lives du vendredi, vous aviez l'habitude de voir des lives de jeux en multi, sauf quelques exceptions. Il faut savoir que quelques modifications d'organisation étaient de rigueur. Désormais, je serai en live, évidemment, le vendredi, mais je vous annoncerai officiellement sur quel jeu le mercredi soir, lors du live, mais également sur un post sur Discord et mes réseaux. Dans le programme,
Ces lives seront donc intitulés « Jeux mystères » en début de semaine. Ne soyez donc pas surpris. Ce format commencera dès la première semaine pleine de septembre, soit du 4 au 10 septembre. Pour terminer cette vidéo, car je pense qu'elle aura déjà duré bien assez longtemps, je vais revenir sur les tickets concours. Il y aura une autre façon de tenter de gagner ceci. Difficilement, certes, mais je pense sincèrement que ça restera un moment fun pour vous, même en cas de perte. J'ai l'intention de réaliser dès janvier prochain des lives bien particuliers chaque premier vendredi du mois. Pour cela, deux salons énoncés précédemment vont être créés dans le Discord, mais également un salon privé sur un site me permettant de vous faire lancer des dés pour éviter les possibilités de triche. Si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, je vous proposerai lors de ces lives de vous embarquer dans une aventure aléatoire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pourrez vous inscrire sur le salon textuel Discord en me fournissant une image de profil. Je vous donnerai un site pour créer un avatar que j'utiliserai par la suite. Vous serez ensuite enregistré dans une roue et pourrez participer au tirage au sort. Bien sûr, si la personne est absente ce jour-là, la roue sera lancée de nouveau. De même, si vous êtes tiré au sort, vous ne pourrez plus participer dans les 3 mois suivants. Vous serez ensuite invité dans le salon vocal créé pour le live. Vous pourrez vous entraider dans le chat du live ou du Discord, et si vous finissez l'aventure, en la gagnant évidemment, vous remporterez un ticket concours. Vous pourrez vous inscrire dès la création des salons sur le Discord, soit bientôt, mais il faudra donc patienter jusqu'au 5 janvier. Voilà pour les dernières nouvelles du terrier, je reste bien évidemment à votre écoute si vous avez des questions. Merci encore à vous tous les Pinous, c'est grâce à vous que cette communauté bienveillante a vu le jour, et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très vite pour un prochain live. Ciao ciao !